La mobilité est un projet complexe. On a le désagrément de constater qu'en 6 ans, la ville de Bastia et la communauté d'agglomération n'ont pas traité le sujet et n'ont pas adopté le plan de circulation et de mobilité. Par contre, nous, dès que nous arriverons aux commandes de cette ville, nous adopterons un plan qui sera adapté avec ce nouveau millénaire, avec des transports publics adaptés de petite taille, qui seront à énergie noble, au gaz pour commencer, puis à l'électricité ensuite. Nous passerons en régie directe d'exploitation. Nous aurons un système avec une véritable intermodalité périphérique, avec gratuité des transports pour les personnes qui sont les plus démunies, c'est-à-dire les 25% sous le seuil de pauvreté, pour les adolescents et pour les personnes retraitées, pour que le transport en commun devienne le vecteur du transport. Nous innoverons en mettant une navette maritime sur les 4 mois de bonne saison entre la plage de Larinée, le Vieux-Port, le port de Togues et, si possible, en allant plus au nord sur les communes de la communauté d'agglomération pour permettre d'avoir une vectorisation globale de l'ensemble de la demande de transport et de ne laisser aucune possibilité de côté.